Alors, bonsoir, bonsoir chers amis, bonsoir chères soeurs, chers frères, bonsoir chers amis de l'Afrique. Alors, partagez déjà la vidéo dès que vous vous connectez, nous n'allons pas durer. Hier, j'ai fait un direct où j'ai exprimé mon mécontentement vis-à-vis du silence de nos députés depuis l'arrestation de nos soldats. J'ai vu beaucoup de commentaires parce que j'ai lu beaucoup les commentaires à des heures tardives. Et je réponds aussi à certaines personnes. Mais ce que je remarque, c'est que la plupart de ceux qui font des commentaires ne sont pas encore imprégnés des choses politiques. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses. J'attends, ça me fait un peu rire. Mais nous là, ça fait longtemps que nous on est là. La politique là, c'est l'intérêt national. C'est comment apporter sa contribution au développement, à la stabilité et à la paix de votre pays. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, il faut qu'ils cherchent à comprendre. La Côte d'Ivoire, dans la sous-région, depuis Oufo-Boigny, nous sommes une puissance. Moi, je vis dans des pays de grande démocratie. Je vis dans des pays où on parle de patriotisme. Les Blancs, là, ils aiment leur pays. Quand le pays a des problèmes, même leur seul citoyen, c'est tout le monde qui fait un bloc. Vous prenez les Américains, les Français, les Suisses, les Russes, partout dans le monde, sont aujourd'hui puissants parce que dans leur tête, on a toujours mis que vous, là, quand vous arrivez partout, vous devez montrer que vous êtes les premiers et que vous êtes forts. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. On a connu des moments très difficiles. Après 2010, notre pays a commencé à retrouver une certaine stabilité, une certaine paix et puis une réconciliation. Aujourd'hui, le pays est en chantier. Malgré tout ce que le chef de l'État fait, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas encore baissé les bras. Qui veulent encore revenir à leur passé, c'est-à-dire créer les rébellions, créer l'instabilité, créer le désordre et tout ça dans leur pays. Parce qu'ils n'aiment pas véritablement la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu aimes la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas prier pour qu'il y ait la guerre. Tu ne peux pas prier pour qu'une rébellion se prépare. On a déjà connu une rébellion qui est quittée au Burkina Faso. Parce que ceux qui étaient là n'avaient pas bien compris ce que c'est qu'un État. Donc ça leur échappait. Aujourd'hui, là, nous, là, on a le président Ouattara. Moi, je suis RHDP. J'ai été RDR, je suis RHDP, je suis pour Ouattara. Mon combat que je mène, c'est pour la stabilité du régime actuel. Mon combat, c'est pour la protection du régime actuel. Le pouvoir n'a plus le pouvoir. Nous sommes dans l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, il faut conserver le pouvoir. Non, il y a des choses avec lesquelles moi, je ne joue pas. Alors, chers amis, on a été restreint par Facebook parce que la crise au Mali, les Sékou Touré et les Diobala, qui sont aujourd'hui les leaders qui sont très suivis, qui sont financés par Sogel Maïga, qui est actuellement malade, avec le Premier ministre Diop, ils ont créé beaucoup de pages Facebook parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Pour faire passer cette communication qui consistait à dire que nos soldats sont des mercenaires. Et c'est rentré dans la tête des Maliens. Moi, je connais le Mali. Je suis allé au Mali 4 fois. Les Maliens, là, sont autour des thés qu'ils se retrouvent. Au Mali, c'est une minorité qui est intellectuelle. Ils sont intellectuels, mais il y a une minorité qui est là, qui vivent des richesses de leurs parents, or diamants que leurs parents. Eux, ils ont eu l'argent. Ceux-là, c'est eux qu'on utilise au Mali pour instrumentaliser la majorité des Maliens. Il y a eu 2 coups d'État, Ibé qui est parti. Mais le départ de Ibekal, pourquoi moi ça m'a fait mal? Les Maliens ne comprennent pas. Quand Ibeka a pris le pouvoir, Alpha Condé a pris le pouvoir, Damiba a pris le pouvoir, le président Alassane Ouattara a été le président que ses chefs de l'État ont consulté. Il a mis son carnet d'adresse, ses réseaux à la disposition de ces pays-là, de ses présidents. Et ça leur a permis d'avoir des investissements, des fonds pour développer, construire des hôtels et autres routes dans leur pays. Et subitement, cela a été freiné par un coup d'État de la junte qui était censé être au front
a préféré, avec l'appui de certains musulmans qu'on appelle les imams Diko, venir faire un coup d'État contre Ibeka. Ce coup d'État aujourd'hui a fragilisé le Mali. Comme dans notre pays, il y a des gens sous Gbagbo qui ont créé la rébellion, qui sont devenus forts et puissants, qui ont été premier ministre, ministre de la Défense et tout, aujourd'hui qui ont dit dans leur calendrier, dans leur plan, qu'après le président Ouattara, c'est eux qui doivent être le président. Je vais parler de Sorou Diop. Depuis que ça a commencé, j'ai été clair. J'ai dit Sorou là, il est Assimi Goïta là, c'est lui qui est derrière Assimi Goïta. Tout ce qu'Assimi Goïta fait là, c'est Guillaume Sorou. Il n'y a pas eu quelques jours, Franklin Niamsi a été au Mali. Et Assimi Goïta l'a reçu. Officiellement, toutes les autorités maliennes ont reçu Franklin Niamsi. C'est Sorou et Franklin Niamsi qui pilotent aujourd'hui la jeunesse malienne. Ceux qui sont du Mali qui démontrent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire, Ouattara, est le mal de la sous-région. Ouattara est celui qui n'aime pas le Mali. Le président Ouattara est ceci, cela. Et c'est rentré dans la tête des Maliens. Parce que nous, on n'a pas peut-être su apporter la riposte au plan diplomatique, c'est-à-dire au plan de la communication dans ces pays. Parce que nous, on a un problème de communication dans notre système. Donc, chers amis, hier, après quelques mois de détention, moi, Zasso, je ne peux pas comprendre qu'on arrête nos soldats. Je ne peux pas comprendre qu'on arrête nos soldats et que notre Assemblée nationale ne réagisse pas. Mais moi, je vis dans des pays développés. Moi, je ne suis pas un broussard. Je ne suis pas un analphabète. Pour moi, l'Assemblée nationale doit réagir. Dans tous les pays, même aux États-Unis. Aux États-Unis, le Congrès réagit. En Russie, tout le monde réagit. Comme en Côte d'Ivoire. Même quand Poutine veut prendre les grandes décisions, mais c'est son parti, c'est son Assemblée nationale qui réagit. Qu'on appelle la Douma. La Douma qui réagit. C'est la Douma qui donne tout. Mais comment se fait que depuis que nos soldats sont arrêtés, les députés ne parlent pas? Donc moi, hier, j'ai fait ma vidéo, je me suis adressé à mon ami frère Alpha Yaya. C'est vrai, lui, moi, souvent, on ne s'entend pas sur beaucoup de choses. Mais comme en 2010, quand il y a eu la crise, en 2020, quand Sorou a lancé l'insurrection, c'est Alpha Yaya et moi, j'étais à Paris et j'appelais Alpha Yaya. Il dit, ah, ce qui vient là, ce n'est pas bon, il faut qu'on sorte auprès du président. Moi, je prends mon billet, je rentre à Abidjan. Je suis le seul de tous les cyberactivistes. Il n'y a pas un cyberactiviste qui peut me lancer le défi. La seule fille que j'ai vue, c'est la jeune dame là, comment on appelle ça, c'est son nom qui m'échappe là. Elle était avec nous là-bas, elle aussi souvent, elle est dans ces trucs, elle m'attaque parfois. Oh, son nom là m'échappe, la jeune fille là. Son nom m'échappe, celle que moi j'ai vue. Donc j'appelle le député, l'honorable, parce que j'ai battu, je l'ai aidé à battre sa campagne. Mais il n'y a pas de son, si il y a son. Le son est là. Officiel Bill, il y a son. Donc moi, j'ai soutenu Alpha Yaya, je suis allé jusqu'à dans son village. Pendant la campagne, par manque de moyens, il m'a donné un véhicule. Une grosse cylindrée pendant un mois pour faire la campagne. On a aidé beaucoup de députés. Parce que pour nous, il fallait qu'on ait la majorité après l'insurrection d'octobre 2020. Parce que moi, je sais qu'après l'insurrection, il faut faire de sorte d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, je me suis battu auprès de beaucoup de députés parce que pour moi, il faut que les députés mènent le débat. Je vous ai dit, on est restreint par Facebook parce que les pro-Assimi Goïta ont beaucoup signalé ma vidéo. Quand vous ne partagez pas, ils vont toujours signaler. Normalement, je dois mettre un mois sans faire vidéo ou je dois créer une autre page. Comme le font aujourd'hui, beaucoup ont créé des pages, ils ont tout changé. Moi, je peux faire la même chose. Mais ici, pour l'instant, on est toujours là. Ils n'ont pas signalé, mais nous, on est là. Les pro-Assimi Goïta signalent beaucoup ma vidéo parce qu'ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux, ils mentent. Donc, j'ai décidé d'inviter Alpha Yaya. Je vous ai dit, dites à l'honorable Alpha Yaya que Zasso dit. Comme lui, il te connaît. C'est vrai, il y a des choses, souvent, ça ne marche pas parce que... Moi, je suis quelqu'un, je suis libre dans ma tête. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on se dit certaines vérités. Mais lui et moi, on est frères. Ah oui, lui et moi, là, on est frères. On se cogne, mais après, on se retrouve. Donc, hier, j'ai réfléchi.
comme je ne les entends pas, et comme lui aussi fait partie des jeunes députés. Non, je veux savoir, parce que depuis des années, il se bat, il parle, mais aujourd'hui, il est devenu silencieux, il ne parle pas, alors que lui, il sait que son papa, Alassane Ouattara, c'est lui qu'on est en train de mélanger actuellement. Assimi Goïta est de notre génération. Assimi Goïta est en train de mélanger la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta est en train d'humilier la Côte d'Ivoire. Un mois qu'il a pris nos soldats en otage, les députés ne parlent pas. Aucune action de nos députés. Donc, j'appelle Alpha Yaya. J'ai décidé d'appeler Alpha Yaya, moi, pour lui poser des questions. Si vous êtes vraiment des démocrates et que vous aimez la Côte d'Ivoire, partagez la vidéo et dites à Alpha que Zasso t'appelle. Zasso t'appelle, il n'a qu'à décrocher. Je vais l'appeler. Il va me dire pourquoi eux ne parlent pas. J'étais habité ici à MV. Quand c'était chaud, en octobre 2020, beaucoup de nos cadres ont fui leur résidence. Beaucoup sont allés en Turquie, en France et autres. Je sais de quoi je parle. Moi, je sais. C'est vrai, moi, j'assure là. Quand je n'aime pas quelque chose, je n'aime pas. Quand je suis engagé, je suis engagé. Les gens ne sont pas dedans, je ne suis pas dedans. On peut bien le faire. Mais ce qu'on fait là, Ouattara, c'est notre chance. Alassane Ouattara, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Je fais le tour du monde entier. Je sais ce que c'est. Moi, je connais la valeur du président Ouattara. Donc, dites à Alpha, il y a de décrocher mon téléphone, il va me dire. Je vais lui poser des questions. Donc, moi, j'appelle, hein, c'est devant vous tous. C'est aux yeux du monde entier que j'appelle. Moi, je ne suis pas hypocrite. Alors, je lance la vidéo. J'espère qu'il va me répondre aujourd'hui. Allez. Le téléphone sonne, hein, les gars. Allô? 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 Oui, Zasso, comment tu vas? Ouais, bonsoir, honorable Alpha Yaya. Comment tu vas? Je vais bien. Et vous? Dieu merci. D'accord. Ah, tu viens vous voir maintenant? Non, mais je vous appelle en tant qu'honorable, donc je dois vous voyez. Voilà, parce que là, c'est le titre d'honorable que j'ai utilisé. C'est-à-dire le député de la République. Ok, donc je vais vous voir. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Ok. Alors, merci d'avoir répondu à mon appel. Merci aussi à tous ceux qui ont fait que on ait cette conversation. Depuis plus d'un mois, nos soldats sont arrêtés. Tout le monde a parlé, sauf l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Sauf les députés de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitou, est bien placé pour répondre à cette question. Oui, mais je suis un citoyen ivoirien, donc je vous pose la question en tant que citoyen ivoirien. Voilà, si maintenant, si je dois répondre en tant que citoyen ivoirien, je crois bien que j'ai réagi sur ma page. Allô? En disant que nous avons confiance au président de la République et à son gouvernement. La libération des 49 soldats est une réalité absolue. Vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. Hein? Voilà. Et le Mali et la Côte d'Ivoire sont comme les doigts d'une main. On vous écoute. Est-ce que je peux vous appeler directement sur votre téléphone? Je peux vous appeler directement de votre ligne, de sur votre ligne, parce que ça, il y a un problème de connexion. Je vous appelle directement. Voilà, parce que je veux savoir aujourd'hui. Chers amis, partagez la vidéo, hein, parce que je suis citoyen ivoirien, c'est mon droit de savoir. Il a répondu, c'est déjà bon. Les gens me disent que le président de l'Assemblée nationale, moi, je l'appelle, mais si le président de l'Assemblée nationale ne décroche pas les téléphones, moi, j'appelle, en tant que citoyen, je peux appeler. C'est quand on décroche qu'on appelle, mais si quelqu'un ne te décroche pas, tu ne peux pas appeler. Mais on dit-il en ligne?
On me signale qu'il est en ligne. Donc, continuez de partager la vidéo. On me signale qu'il est en ligne. Moi, j'appelle ceux qui décrochent mon téléphone. Ok, ça sonne, les gars. Allô? Oui, allô, honorable. Oui, Zasso. Maintenant, quand vous avez décidé de parler en tant qu'un citoyen, moi, je suis Patrice Zasso. Ok. Voilà, je suis président du mouvement RHDP Vision 2025. Je suis un lanceur d'alerte. Ok. J'interpelle. Donc, vous avez la parole, honorable. Maintenant, citoyen ivoirien, tu as la parole. Non, je te dis que j'ai réagi sur ma page Facebook, précisément le 15 août. J'ai dit que nous avons confiance au président de la République et à son gouvernement. La libération des 49 soldats est une réalité absolue. Le Mali et la Côte d'Ivoire sont comme les doigts d'une main. Ça, c'est une bonne réaction, ou pas? Et puis, peut-être que j'ai pris aussi pour que ça, les choses se règlent. Mais je ne suis pas obligé de venir exposer ça sur la toile. Comme tu le disais tantôt dans ta vidéo, je crois au président Hassan Ouattara. Je me suis toujours battu pour lui. Je ne suis pas hypocrite. Allô? Mais il y a séparation de pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous, les députés, j'ai vu que vous avez... Allô? Oui, on t'entend parfaitement, on t'écoute, hein. Voilà, donc comme je le disais, je ne suis pas hypocrite. Quand quelque chose ne va pas, je le dis. Il m'arrive même parfois d'adresser des gueules au président de la République ou bien même de l'appeler pour lui donner mon point de vue. Donc, pour cette situation, ceux qui croient que c'est une crise est bénéfique pour la Côte d'Ivoire ou est bénéfique pour le Mali, font preuve d'ignorance. Vous savez que dans les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Mali, la Côte d'Ivoire gagne 300 milliards, plus de 300 milliards, contrairement au Mali qui gagne 84 milliards. Donc nous n'avons pas intérêt que cette bien perdue. Il y a quelques jours, une délégation de l'équipe spirituelle s'est rendue au Mali pour croiser les responsables de la jeune. Ils ont échangé, je crois que des solutions sont en train d'être trouvées pour mettre fin à cette mésentente. Moi, je crois que les gens attendent mon parrain. Je me suis toujours battu pour lui et je continue de me battre. Sauf que je ne manque pas de toujours mentionner mon indignation ou bien parfois ma colère contre certains cadres qui ne voient que leur propre intérêt. Voilà. Et pour l'intérêt général. Donc, si je ne suis pas actuellement sur la toile, contrairement à il y a 2 ans ou 1 an, c'est parce que je suis préoccupé d'autres. Voilà. Ça veut dire que ça va se faire. On a un problème. Attends, je vous rappelle parce qu'on vous attend difficilement. Vous avez un problème de réseau là-bas. Tu as un problème de réseau, je relance parce que tu es dans une position où le réseau n'est pas bon. Donc je relance. Voilà, je relance. Il y a un terrible problème de réseau, je relance encore. Il y a un problème de réseau au niveau d'Abidjan, donc je relance l'appel. Voilà. Allô? Alors, Alpha. Cher frère Zato. Voilà, cher frère. Dis-moi, John Soro, vous êtes tous conscients que John Soro est derrière ce qui se passe au Mali. Vous savez tous que John Soro est au Mali. Et vous êtes des députés et des cadres du parti. Vous connaissez la position de John Soro vis-à-vis du président Ouattara. L'insurrection, pendant l'insurrection de... Mais pourquoi vous coupez? Laissez-le, moi je... Ah.
Ah, mais que tu appelles. Arrêtez d'appeler, on va répondre là. Je ne comprends pas les gens. On est dans un truc où vous coupez l'appel. Oui, allô, Alpha. Oui, allô, Zato, oui. J'ai dit, tu sais bien que depuis le début que John Soro est derrière toute cette histoire. Toi et autres cadres du parti, vous savez que c'est Soro qui manipule actuellement Assimi Goïta. Mais Franklin Yamsi était au Burkina, Franklin Yamsi était au Mali, Franklin Yamsi a été reçu par Assimi Goïta. Zato, moi, oui, allô, on écoute, hein. Moi, j'ai connu Soro Guillaume en 2016, après que je sois devenu député. Nous avons eu une très bonne collaboration. Nous avons eu à un moment donné un parcours politique ensemble. Et durant cette collaboration politique, Soro Guillaume ne m'a jamais manqué du respect. Oui. Il m'a toujours respecté. Jusqu'à ce que je lui dise que je vais rejoindre le RHDP. Et si aujourd'hui, vu cette situation, me pose la question de savoir si c'est Soro Guillaume qui est derrière. J'ai dit il est derrière, moi j'affirme. Et je sais que nombreux d'entre vous qui êtes autour du président Ouattara, vous savez tous, parce que Assimi Goïta a reçu Franklin Niamsi officiellement avec tous les cadres de son régime. Alors qu'est-ce que ça vous dit, vous qui êtes les cadres du parti? Oui, mais toi tu connais ma position en 2020. Tu l'as dit dans tes vidéos. En 2020, c'est toi et moi qui étions à Yopougon, nous étions à Bobo, nous étions sur le fond. Je suis allé au campus quand les gens ont voulu manipuler les étudiants. Je suis allé seul. Le secrétaire général de la FESI actuelle est témoin. Mais ceux qui se disent les grands cadres, ils étaient où en ce moment? Donc ils avaient leur famille déjà au Sénégal. On a un problème de réseau. Il ne croyait plus à la victoire du président Alassane Ouattara. C'est nous qui sommes restés là pour combattre. Donc maintenant, la question de savoir si c'est Soro Guillaume qui est derrière ou pas, moi je n'ai pas cette preuve, je n'ai pas la certitude. Ouais, mais Franklin Yamsi, tu sais que tous ceux... Ce n'est pas Soro Guillaume qui a envoyé les 49 militaires au Mali. Ah bon? Oui, mais ce n'est pas Soro Guillaume qui a envoyé les 49 militaires au Mali. Maintenant, si j'ai la certitude que c'est Soro Guillaume Mais le début de l'arrestation de nos soldats, il a été le premier à faire des propositions. Il a demandé, il a parlé du Togo, il a demandé le Togo, il a demandé le Congo. Il y a eu des négociations qui ont commencé au Togo et ces négociations n'ont pas abouti. Franklin Yamsi a été reçu par le président Assimi Goïta. Oui. Dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, ça fait 10 ans que nous sommes au pouvoir. Voilà, d'autres ont aujourd'hui des appartements aux États-Unis, d'autres ont des appartements en France, d'autres ont des appartements à Dubaï. Ils ont des enfants qui fréquentent en France, ils ont des enfants qui fréquentent aux États-Unis. Alpha, c'est grave ce que tu tiens comme propos, hein, c'est très grave. Moi, il faut m'écouter. Ok. Tu m'as posé des questions, laisse-moi répondre. Ok, j'écoute alors. Voilà. Moi, je n'ai aucun intérêt a dit une contre-vérité. Ce qui est exact, c'est ce que je vais dire. Pour ce qui concerne Soro Guillaume, je ne suis pas informé. Voilà, je ne peux pas te dire avec certitude si c'est Soro qui est derrière ou pas. Ça ne concerne que la vie de Soro. Moi, je suis militant RHDP. Je ne me bats pour Alassane Ouattara. Je me bats pour le RHDP.
Et je pense que ma mission est très noble. Et je fais très bien aussi ma mission qu'on m'a confiée. Voilà. Mais en Europe, l'Alpha, en Europe, là, en Europe, il y a des députés qui se lèvent, qui prennent position. Oui, mais... Comment se fait que depuis... Vous êtes député, vous êtes des représentants. Non, mais en vrai, la plupart, nous avons tous fait, nous faisons tous l'Europe. Et nous avons tous fait l'Europe. Oui, donc il faut attendre le temps des générations futures. Sinon, ce n'est pas pour maintenant. Non, non. Voilà, si les députés européens peuvent se permettre de parler comme ils veulent, ici, là, ce n'est pas comme ça. Voilà. Papa me fait rire. Comment tu... Non. Tu es le représentant du peuple. Tu as été voté par le peuple. Moi-même, Zasso, là, je ne suis pas de ta région, mais j'ai battu campagne pour toi. Non, moi, je t'appelle pour te demander qu'est-ce qui se passe et jusqu'à présent, vous ne réagissez pas. Oui, mais qui ne réagit pas? L'Assemblée nationale, vous les députés. Il faut appeler le président de mon pistolet. Pourquoi c'est à moi qui demande? Mais le numéro du président. On a des vice-présidents, on a le président de l'Assemblée nationale. Mais tu le laisses, moi, tu viens me demander. Mais tu es jeune député, j'ai le droit, parce que tu es député de la République. Je ne dis pas le contraire, mais le président de l'Assemblée nationale est bien placé pour répondre à cette question. Demain, si tu veux, tu formes une délégation, vous arrivez à l'Assemblée, vous contactez le LG de l'Assemblée nationale, vous voyez le président de l'Assemblée nationale, il va répondre à toutes les questions, toutes vos préoccupations, il va répondre à ça. Il n'y a pas de problème. Donc, je n'ai pas le droit de vous poser des questions en tant que député de la République. Oui, mais je réponds à votre question. Je n'ai pas dit le contraire. Je dis pourquoi les députés ne se prononcent pas. C'est ce que tu m'as dit. Oui, il y a eu quand même des sujets dans le temps, quand en octobre 2020, certains d'entre vous étaient députés et toi-même tu étais député dans le temps. Avant que tu ne sois candidat, mais tu te prononçais, tu te levais, tu prenais des positions. Mais aujourd'hui, on a arrêté les soldats, tu ne prends plus de décision. Tu dis non, au plan diplomatique, c'est confié au président de la République. Mais le président de la République ne peut pas tout faire. Le président de la République ne peut pas tout faire quand même. Si c'est les députés qui avaient été arrêtés au Mali, je pourrais me prononcer facilement. Mais tu dis bien des militaires. Non, mais Alpha, c'est grave. Les militaires, là, les militaires sont des citoyens ivoiriens et ils sont des soldats de la République. Tu n'es pas député pour protéger les députés, tu es député pour protéger le peuple. C'est ce que j'ai fait. Non, je pense qu'il y a. J'ai encore mal, Alpha. J'ai encore mal. Pourquoi? Non, tu es député de la République. Tu dois réagir. Tu dois interpeller. Tu dois même interpeller l'Assemblée nationale. J'ai fait une publication. J'ai dit que je soutiens le président de la République. Je soutiens son gouvernement. Hein? J'ai réagi. Mais la séparation de pouvoir, je parle. Laissons le président. Le président gère son problème de façon diplomatique. Maintenant, mais vous qui êtes l'Assemblée nationale. Non, mais vous devez quand même engager votre offensive diplomatique, beaucoup de choses. Vous êtes là, c'est les hommes religieux qui font des démarches, alors que vous-même qui êtes les représentants. Tant que la carte diplomatique n'est pas encore épuisée, il n'y a pas de problème. La ministre des Affaires étrangères, elle vous a dit quoi? Qu'elle n'a pas entrepris des démarches pour ça? Ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire n'a pas entrepris des démarches? Non, j'ai pas encore dit ça puisque j'ai pas encore interrogé la ministre des Affaires étrangères. Mais moi, je m'adresse à un député de la République. En Suisse, quand il y a eu le problème de fixe entre les États-Unis et la Suisse, ce sont les députés suisses qui se sont levés individuellement. Et ils ont posé le débat, c'était devenu un problème diplomatique, qui a fait même incliner les États-Unis. Maintenant, moi, je ne comprends pas pourquoi chez moi, notre député qu'on a voté, nous le peuple, les représentants du peuple, le pouvoir, il y a séparation de pouvoir. Et vous, vous êtes silencieux. Je veux comprendre, mais tu n'arrives pas jusqu'à me dire pourquoi. Et tu es député jeune. Assimi Goïta est jeune. Et c'est lui qui a pris en otage nos frères de l'autre côté. Soro Diom et toute sa bande de ceux qui ont participé à la guerre, qui ont fait la rébellion de 2002, sont tous au Mali. Et la plupart, vous savez qu'ils sont tous là-bas. Et c'est eux qui font tout pour humilier actuellement la Côte d'Ivoire. Plus d'un mois. Quelle est votre position, Alpha Yaya, s'il te plaît?
Ce n'est pas le Fayeda qui a envoyé les 49 militaires au Mali. Qui les a envoyés? Comme tu es député, dis-moi, qui les a envoyés? Oui, mais il faut répondre, il faut poser cette question au ministre de la Défense. Mais ils sont allés au nom de la République. Ils sont allés au nom de la République. J'ai dit, est-ce que moi je suis ministre de la Défense? Mais donc, c'est à vous d'interpeller. Donc, Alpha, tu vas terminer. Mais ce que tu es en train de... Oui, je t'écoute. Hein. Si tu veux maintenant la version de l'Assemblée nationale, mais il faut te rendre à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, là, il pourra te répondre. C'est aussi ça. Non, mais j'ai quand même le droit de t'interroger en tant que citoyen. Depuis, j'ai dit que je suis citoyen. Et tu es le représentant des citoyens que nous sommes. Je ne sais pas si on se comprend. Tu dis que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a envoyé les soldats au Mali. Mais les soldats... Ce n'est pas Alpha Yaya qui a envoyé les soldats au Mali. Voilà. Maintenant, vous, en tant que représentant du peuple, parce que le peuple, c'est tous les partis politiques, hein, c'est tous les citoyens. Donc vous, vous êtes quand même obligé d'interpeller le ministre de la Défense. Vous êtes obligé de l'interpeller pour comprendre aussi beaucoup de choses. Pourquoi vous ne le faites pas? Faire quoi? Normalement, avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, tu viens de me dire que ce n'est pas toi, c'est le ministre de la Défense. Quelle démarche vous, l'Assemblée nationale, vous avez entrepris pour interpeller le ministre de la Défense? Il faut poser cette question au ministre, au président de l'Assemblée nationale, Bitogo. De poser la question à Bitogo. Oui. Donc, d'accord, d'accord. C'est mieux ici. D'accord, j'ai compris. Il faut se rendre à l'Assemblée nationale. Un citoyen, tu vas poser la question au président nationaliste. Donc, j'ai pas le droit de poser la question au président, au député de la République, j'ai pas ce droit. Donc, je vais m'organiser à venir voir le président de l'Assemblée nationale. J'ai répondu à toutes les préoccupations. Voilà. Non, mais ce qui me gêne, c'est vrai, tu as répondu à mes préoccupations. Alpha, je suis d'accord. Tu veux connaître les vraies raisons. Peut-être que tu ignores à qui poser la question. Je t'ai aussi montré la route. Tu dis non que toi, tu aurais appris que c'est Soro qui est derrière. Là, je ne suis pas... Non, parce que c'est pas que j'aurais appris, je confirme que Soro est derrière. Moi, je n'ai pas appris. Moi, je ne sais pas. Par les actions de Soro, la présence de Franklin Yamsi et autres au Mali, moi, Zasso, j'affirme que Soro est derrière tout ce qui se fait au Mali. Maintenant, vous qui êtes les cadres du parti. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Soro qui est derrière ou pas. Donc, tu ne sais pas que Soro est au Mali. Soro au Mali. Tu ne sais pas que Soro, c'est Soro qui envoie les Franklin Yamsi au Mali. Tu sais pas que c'est Soro qui manipule la Assimi Goïta, tu sais pas. Assimi Goïta, le président malien? Le chef d'État malien, parce qu'il n'a pas été élu. Ok. Bon, je pense que si j'ai répondu à toutes les questions, on peut mettre fin à la série des questions, mais il y a d'autres questions encore. Non, la dernière question que je pose encore, je retourne dessus. J'ai dit en octobre 2020. Toi et moi, on était au front quand la Côte d'Ivoire était agressée. Quand les gens ont lancé l'insurrection, il y a eu des morts. Toi et moi, on était à Abidjan. On était partout. Toi-même, tu as mis une voiture à ma disposition, carburant, tout. Quand je t'appelle, je sais pourquoi je t'appelle. Il y a beaucoup de députés, mais moi, je sais pourquoi je t'appelle. Parce que c'est par rapport à ton engagement d'octobre. Comme moi, j'ai été porte-parole de Ouattara et que je connais mon niveau d'engagement, mon patriotisme, c'est pour ça que moi, je t'appelle. En octobre, tu étais l'un des députés que moi j'ai vu sur terrain. À Yamsokoro, toi-même tu sais, tu ne voulais même pas que je rentre à Abidjan. Je t'ai dit, je rentre à Abidjan alors qu'il y avait le feu, les armes. Avec Niaoure et moi, on a pris une voiture de l'un de tes frères, on est rentré à Abidjan. Toi-même tu avais peur, mais je suis arrivé à Abidjan. J'ai vu sur la route ce qui s'est passé. Les bacs, les bus, tout ce qu'on avait détruit, les cars. C'est comme si on était en zone de guerre, j'ai vu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te pose la question. Pourquoi cette fois-ci, où on arrête les soldats, toi, tu ne parles pas. Tu ne réagis pas.
Tu n'organises plus la jeunesse. Tu ne mobilises plus. Tu es replié chez toi. Tu es dans ton coin. Qu'est-ce qu'il ne va pas, Alpha? Le terrain est vide. Le président Ouattara ne peut pas tout faire. Il compte sur vous. Il vous donne tout. Vous êtes nombreux d'entre vous. Vous êtes là. Et puis Soro va au Mali, rentre au Mali, sort, il rentre au Mali. Les fratères Niamti rentrent au Mali, sortent. Et vous, vous n'avez arrivé jusqu'à pas à présent à trouver des solutions. C'est pour ça que ça, c'est ma dernière question. Et puis je vais couper. Oui, je te remercie pour cette dernière question. Effectivement, pendant la campagne de 2020, on a eu à mener beaucoup d'actions. Chez nous, on dit que il est plus facile de taper sur un chien qu'on appelle vers soi. Si j'étais sur le terrain, c'est parce que Ahmed Bakayoko, fait à son âme, m'avait confié cette mission et l'aider dans sa tâche de sécurisation du pays pour que les élections se passe dans un climat apaisé. Et la ministre Kandia encore, qui était en charge de la campagne jeune et des femmes, je crois, si je me souviens, elle nous avait aussi pris dans sa direction de campagne. Elle nous avait confié des missions. Il y a eu la nouvelle configuration du parti. La mobilisation a été confiée à d'autres personnes. L'implantation du parti a été confiée à d'autres personnes. Mais si on n'a pas eu de responsabilité, on ne peut pas être plus réaliste que le roi. Ah donc, ça veut dire que moi, Zasson, je dois m'asseoir, je ne dois plus faire de vidéos, je dois me taire. Mais tu m'as posé une question, laisse-moi te répondre. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Les réalités de 2020 et les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Toi, Zasson, même qui parle, tu es très bien informé de tout ce qui se passe. Je suis sincère avec toi, c'est pourquoi je te réponds avec sincérité. Tu m'as interpellé dans ta vidéo d'hier. Je pouvais ne pas répondre. Plusieurs personnes m'ont appelé. Non, ne réponds pas, ne réponds pas. Je dis non. C'est un frère. Nous sommes dans le même parti. Il m'a interpellé dans l'une de ses vidéos. Mais moi, je ne me reproche absolument rien. Tous mes rapports sont sincères. Tous mes rapports sont honnêtes. Je suis très honnête dans mes rapports. Et ma sincérité m'amène toujours à dire la vérité, à être sur le chemin de la vérité. Moi, je pense que le président Alassane Ouattara est un grand homme, c'est un visionnaire, il saura qui prendre pour mettre en mission, car aujourd'hui, le RDR, le RHDP, qui a été toujours un parti du vivre ensemble. Est-ce que le vivre ensemble est une réalité aujourd'hui dans notre propre famille? Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ont la responsabilité de s'occuper des militants, de s'occuper de la jeunesse, est-ce qu'aujourd'hui, tout est respecté? Parce que c'est ça aussi la politique. La politique, c'est le fait de faire des choses utiles pour la population. C'est aider le peuple. C'est satisfaire le peuple. Donc, nous tous, on a constaté ce qui se passe, malheureusement, et c'est déplorable. Des jeunes maliens qui passent leur temps à insulter le président Alassane Ouattara, et même des jeunes Ivoiriens qui passent leur temps à insulter le président Alassane Ouattara, à l'humilier, mais ça nous fait mal. Dans le parti, la responsabilité a été confiée à des personnes pour s'occuper de la communication. Mais si ces personnes sont là, ne veulent pas parler, ne veulent pas défendre le président de la République, ne veulent pas défendre les ministres, les institutions de la République, qui suis-je, moi, Alpha Yaya, pour changer les choses? Non, ça veut dire que tu réagis comme un homme frustré, qui travaille mais qui n'est pas nommé, à qui on ne fait pas confiance, à qui on ne confie pas de responsabilité. Moi, je m'en fous des nominations. Les nominations ne m'intéressent pas. Moi, la seule chose que je crains dans ma vie, c'est le jugement de Dieu après ma mort. C'est pourquoi tout temps que je pose, je le fais en harmonie avec Dieu et en harmonie avec ma conscience. Les postes là, je ne me dis absolument rien. Ahmed Bakayoko, qui était ministre de l'Intérieur, qui était ministre de la Défense, aujourd'hui Ahmed est dans la tombe.
Je prends mon téléphone aujourd'hui, j'appelle le président Alassane Ouattara, mais Dieu croit, je lui parle. Je lui dis ce que j'ai à dire. Ouais, mais je dis, je ne te vois plus. Tu es un homme d'affaires, tu es un homme d'affaires. Il m'écoute, écoute-moi, il m'écoute avec respect, il m'écoute avec considération. Donc je pense que ça, déjà, c'est déjà suffisant. Donc les nominations ne m'intéressent absolument pas. Voilà, mais ce que je déplore, c'est que ceux qui ont la responsabilité aujourd'hui d'aider les jeunes, ceux qui ont la responsabilité aujourd'hui de faire la communication du parti, ceux qui ont la responsabilité aujourd'hui d'aider les militants, je pense que chacun doit mener sa mission avec sincérité. Voilà. Ce qui se passe au Mali aujourd'hui, je pense que la carte diplomatique n'a pas été épuisée. Il y a toujours... Donc tu viens de me rejoindre, tu dis que ce qui se passe après moi, la carte diplomatique n'a pas été utilisée. Pardon? La carte diplomatique n'a pas été utilisée malgré que le Mali même a interpellé le Togo. Il y a le président sénégalais qui est parti au Togo, qui est parti aussi au Mali. Toutes ces actions, ils ont envoyé même le président Ouattara a reçu les émissaires du président togolais. Jusqu'à présent, nos soldats ne sont pas libérés. Vous, les députés, c'est l'argument que vous avez trouvé qui est là. Quel argument? La carte diplomatique, tu viens de dire que la carte diplomatique n'a pas joué son rôle. Oui, mais quand tu confirmes ça, c'est celle aujourd'hui qui est en charge du ministère des Affaires étrangères, la ministre Kandia Camara. Donc là, tu es en train de me dire qu'elle n'a rien entrepris dans ce sens. Non, c'est ce que tu as dit que la carte diplomatique n'a pas joué. Je te dis que la carte diplomatique n'a pas encore été épuisée. Ah, c'est pas encore épuisé, voilà, maintenant je comprends. Je dis que... c'est pas encore épuisé. Moi j'ai pensé que... Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ah d'accord, moi j'ai pensé, tu as dit que c'est... Voilà. Moi je pense que le Mali et la Côte d'Ivoire... Nous avons une histoire, nous avons un intérêt commun. Je crois que j'ai confiance au président de la République, j'ai confiance à ses collaborateurs, j'ai confiance au gouvernement et je crois qu'une solution sera trouvée le plus rapidement. Mais Alpha, tu connais bien le Mali, tu vas bien au Mali, tu vas au Mali, tu connais bien le Mali. Ça veut dire quoi, je connais bien le Mali? Non, tu connais le Mali, tu vas là-bas, tu as des affaires, tu as des... Non, tu pourrais quand même jouer en tant que député. Non, mais là, je suis désolé, je n'ai pas d'affaires au Mali. Qu'est-ce que tu appelles avoir des affaires au Mali? Non, en fait, je dis que tu es un homme d'affaires. Tu as quand même, donc normalement, c'est que Soro fait là, nombre d'entre vous pouvaient quand même essayer d'étouffer Soro, qui est implanté au Mali actuellement. Pardon? Je dis, les Franklin Niamsi sont au Mali. Tous les pro-Soro sont au Mali, alors que ici vous êtes des députés de la République. Vous devez quand même avoir de très bons réseaux pour trouver des solutions au plan diplomatique en tant que député. Non, mais normalement, puisque Soro, il y a un mandat d'arrêt contre Soro et tous ses proches sont au Mali, non, pour moi, nos députés doivent quand même réagir. Zassou, oui. Les questions sont finies. Non, la dernière question, c'est le jeune qui a été arrêté. Il y a un jeune qui a fait une vidéo que je vais publier demain. On dit qu'il est des Tingres là. Il a fait une vidéo où il a demandé au Mali, à Assimi Goïta, de libérer nos prisonniers. Actuellement, il est arrêté à Sikasso au Mali. Après sa vidéo, il est rentré au Mali, il allait faire des courses au Mali. Et il a été arrêté, actuellement il est emprisonné. Alors tu es député de la République. Est-ce que tu as l'information? Parce que moi j'ai l'information. Ah, tu as l'information? Oui, j'ai l'information qu'il a été arrêté. Ah, ok. Il est actuellement en prison au Mali. Demain, je publie sa vidéo. Comme tu es député, je vais t'envoyer la vidéo pour voir quelle démarche tu pourras faire. Il est très bien connu à Tingrela. Comme c'est un citoyen qui est arrêté au Mali, voilà, je pense que c'est mieux d'interpeller Madame le ministre des Affaires étrangères. Bon, je ne sais pas quelle démarche je vais faire parce que
Tu sais, moi j'ai un problème. Quand on ne me décroche pas, moi je n'appelle pas. Parce que je ne veux pas aller me mettre en rang dans les ministères, aller faire des choses de moi sur des moments, ça ne m'intéresse pas. Sincèrement, ça dit ce que j'ai remarqué, Alpha. Moi je te dis la vérité, en Côte d'Ivoire ici. Nos ministres là, c'est difficile de les avoir. Ça dit, nous qui sommes les leaders d'opinion, qui avons été porte-parole de Ouattara, nous qui pouvons nous asseoir avec eux pour parler, ils sont difficiles, ils sont inaccessibles. Il y a des sujets même sur lesquels on veut parler avec eux, on n'arrive pas à les avoir. On pouvait avoir Madougon, on pouvait avoir Ahmed. Mais la plupart des ministres qui sont là, on ne peut pas échanger avec eux. Ça, c'est un autre sujet. Ça... Oui, mais tu me dis d'aller les voir. Je vais passer par quel moyen? Pardon? Je vais passer par quel moyen pour aller les voir, pour échanger avec eux sur ces questions. Ah non, il faut m'aider, tu es député, tu les connais que moi, donc il faut les aider. Voilà, il faut les aider, ceux qui décrochent, ils sont rares. C'est une poignée de députés, c'est une poignée de ministres. Mais les 90% des ministres sont inaccessibles. La plupart, bon, je ne les connais pas parce qu'ils sont tous nouveaux, la plupart. Au RDR, je pouvais comprendre. Au RDR, j'étais avec certains, tout était facile. Voilà, on pouvait les approcher pour faire des stratégies, des tactiques de communication. Mais aujourd'hui, ceux qui sont là, même ceux même avec qui j'étais au RDR, ils ont tous changé. Ils ont tous changé, je ne les contrôle plus, je ne les maîtrise plus. Parce que le pouvoir a changé. Bon, les gens sont devenus fort puissants, donc. C'est un autre débat. Non, mais ouais, c'est pour ça que je veux que tu m'aides. Il faut leur dire que Zasso veut vous rencontrer, veut changer aussi avec vous, sur les questions de sécurité du pays. Est-ce que tu as sollicité rendez-vous et puis le ministre ne t'a pas réussi? Alpha, j'ai beaucoup de choses que j'ai déposées, je peux t'envoyer, c'est toute une longue liste. Donc je ne veux plus revenir sur ça. C'est pour ça que moi je t'appelle pour que tu me donnes des explications. Parce que c'est toi souvent qui décroches. Il y a quelques années qui décrochent, mais je ne citerai pas leur nom. Mais eux là, ils n'ont pas assez de poids. Voilà. Ceux qui ont le poids là, le poids, toi tu les connais. C'est avec eux, on peut relancer la machine, imposer encore le respect, amener le Mali à nous respecter, mais ils ne décrochent pas. On ne les voit pas. Ils sont renfermés sur eux tous. Donc moi, je suis fatigué. Donc, il faut transmettre ma commission, il faut leur dire que Zasso dit. Mais c'est lui, ok, il n'y a pas de problème. C'est lui qui a le grenier rempli et celui qui a le grenier vide n'ont pas les mêmes manières de voir la vie. Ah bon, c'est devenu avec le grenier. Donc, je vais te laisser. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mon appel et puis c'est très gentil. Il n'y a pas de problème. J'attends aussi, voilà, j'attends toujours ta réaction vis-à-vis de ce qui se passe au Mali. Mais j'ai réagi, j'ai réagi. Mais enfin, c'est pas comme ça que je t'ai connu en 2020. J'insiste dessus. En 2020, là, tu m'appelles, tu dis, Zasso, on va ici, on rentre ici, on sort ici. Depuis, tu ne parles plus. Qu'est-ce qui se passe dans le parti? Il y a un problème? Il y a des problèmes. Est-ce qu'il y a un problème dans notre parti? Qu'est-ce qui ne va pas? C'était la période électorale. Ah, ouais. Ça, c'est vrai. C'était vraiment la période électorale. Ça, tu as raison, j'ai compris. On devait aller voir les militants pour voter pour le président Alassane Ouattara. Voilà. Mais actuellement, il y a quoi? Quel marché? D'accord, donc il faut transmettre mon message au président de l'Assemblée nationale. Dis-lui que Zasso dit, il ne comprend pas ce silence de l'Assemblée nationale. Il veut te rencontrer, il veut parler avec toi. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? D'accord. Donc si je rentre à Abidjan, je serai au plateau. Après demain, dans des jours, là, je serai à Abidjan, je serai au plateau. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Merci. Merci, citoyen ivoirien, de m'avoir répondu. Alors, chers amis, j'avais demandé à Alpha Yaya, parce que comme je vous ai dit, je connais le Mali. Aujourd'hui, Assimi Goïta a réussi à instrumentaliser la jeunesse malienne. Au Mali, je le répète, c'est une minorité de jeunes qui manipulent les consciences. Parce que eux-là, leurs parents ont eu or, diamant. Ils profitent de ça, c'est eux qui sont sur les réseaux sociaux. Tous les secours que vous voyez, les Djobala que vous voyez, c'est des gens, leurs parents ont eu l'argent, ils ont créé des grains. C'est à partir de des grains, ils sont nombreux, ils se sont fait des leaders. Aujourd'hui, là, c'est eux qui font croire à Assimi Goïta que le président Ouattara est le mal de la sous-région, la Côte d'Ivoire, nous les assos. Nous sommes le mal de la sous-région. Ils nous insultent, ils nous menacent.
Ils signalent nos vidéos, ils déstabilisent nos pages. Donc, je voulais avoir l'opinion d'Alpha Yaya. Il vient de donner son opinion. Vous avez tous écouté, sans hypocrisie. Je voudrais encore vous dire merci. Partagez, 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 parce qu'on a été restreint. Si on nous restreint, c'est que notre combat est bon. Vous allez sur leur page, ils ont mis mes photos, ils font des vidéos, ils m'attaquent, ils m'insultent. Ça veut dire que les Maliens ont compris mon combat. Ils ont compris qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont sincères. Même si dans notre parti, on n'a pas confiance en nous, on ne croit pas en nous, ce n'est pas ça le vrai problème. Mais ce qu'on doit savoir, c'est la Côte d'Ivoire qu'on doit privilégier. Menons des actions pour toujours défendre la Côte d'Ivoire, montrer notre amour pour le président Ouattara, notre amour pour notre pays. Que Dieu vous bénisse, on ensemble.